unlawful. Alors, si Angleterre, Irlande, Pépé, autant, et bien après la guerre, vous avez un avocat qui fait Maurice, qui fait pas Maurice. Il arrive maintenant peut-être pour nous cause dessus. Et voici qui m'a vous dire. Et aussi, nous pas gagné l'égalé 10 Maurice, nous avons gagné l'égalé Rodrigue. Maintenant, comment Rodrigue? Vous avez payé ou oublié l'avion, vous avez resté là-bas. Maurice, malheureusement, vous avez fini à rester oublié. Les à la corvine Maurice ou demander un refund. Mais malheureusement, ou pas gagné ou frais resté, tout ça là le change. Maintenant, quand vous avez accès to justice, c'est au droit constitutionnel, mais aussi avocat là, il y a une initiative, un encouragement pour aller pour faire de case là. C'est ça, à cause de cette raison là que le pays il arrive là pour refléter le paiement qu'il peut faire un avocat ou un case. Merci. Bon, le Miguel, ne me tient pas ajouté. Nous allons un petit peu plus devant pour dire. Qui n'est pas capable de traiter le parquet, qui lui aussi prend au nom de l'État. Parce que le parquet, qui se différence entre deux parquets, c'est que le parquet, son client, c'est Government of Mauritius. Nous, nos clients, c'est Population of Mauritius. C'est la différence. Mais tout n'est pas la même cause. Au nom du parquet, le State of Office, quand il vient voir quelqu'un du parquet vers le parc, tout d'abord, il y a un logement, il y a un billet prépayé. Les pays transport sur place, et c'est le résultat final, c'est que nous comptons pour eux. Attention, pas une belle question de comparer, c'est pas pour faire une situation inverse. Non, nous nous pouvons dire good for them, mais nous nous pouvons dire l'autorité concernée, et IGLS, avec le Judicial and Legal Service Commission à travers le chef juge, reconsider le private practitioner et mettre autres en parité avec les autres. Pour les mêmes heures de traitement. Ok, si papa vous donne l'hôtel, papa vous donne le transport, at least vous payez ce billet d'avance et at least vous connaissez qui vous capable de donner un allowance, disturbance allowance pour le déplacement et ça capable de compenser et créer un incentive pour mon avocat aller. Mais aujourd'hui, souvent, un jeune avocat, peut-être premier point, vous bien intéressé à faire une exploration en Rodrigue, mais deuxième, troisième point, ce n'est plus la même chose et vous êtes dans la position que vous pouvez encore vous attiquer. Vous n'êtes pas pour hésiter, vous n'êtes pas pour exciter pour aller. Une autre chose encore, dans le domaine, en Angleterre, il existait, ok? Criminal cases, legal aid of criminal cases, vous pouvez dire presque non existant, Maurice. Dans la loi, quand vous êtes là, vous trouvez une longue série qui couvrait legal aid. Et legal aid, comment on finit dire, là, les means tested, faites-vous dans sa catégorie needy people, poor people, deserving people, là, là où rentrer. Mais si vous êtes dans sa catégorie de gens qui paient dans le moyen, vous n'arrêtez dans une grande case. Comment dire grand case, ça veut dire grand en termes de seriousness of the offense, seriousness of the penalty. Mais en Angleterre, il y a tout station de police, il y a la liste des avocats qui peuvent servir dans le week-end. Y compris quand dans sa scheme legal aid. Ou donc le policier en question pour dire qu'il le nature sa question donne un droit à un avocat, alors la liste choisir un avocat, nous vous téléphonique ABC. Nous nous demandons aussi de demander serious offenses de ce droit-là. Il peut protéger la police aussi, parce qu'il nous connaît parfois, nous avons une critique parfois non fondée aussi, de brutalité policière. Ou donc, il peut protéger les autres aussi en même temps. Ça concerne un legal aid. Bon, nous venons au Mauritius Bar Association. Le bon qui vous fait ressortir, qui ça la loi là est passée, Mauritius Bar Association Act, exactement, c'est le 23 décembre 1957. Il fait cause 61 ans de cela. Right? Et en 57, vous posez la question, combien d'avocats tiennent, je ne vais pas le vérifier, je ne vais pas croire. Parce qu'il y a plus qu'un poignet de. Ou les 50 maximum. Ou donc, ça l'époque-là, quand tu passes ça la loi dans l'époque coloniale, tu fais un bar council composé de 5 membres, excluding les attorney general qui nommaient d'office. C'est-à-dire, attorney general plus 5 members. Dans ces 5 membres-là, vous avez des signes about 10 years. Mais nous, nous pouvons dire qu'il n'arrivait pour revoir sa composition-là, pour augmenter le nombre. Bon, tout d'abord, laisse-moi féliciter le Bar Council qui, les 18, propose un amendement, le rules, ça veut dire qu'ils ont introduire 4-5 comités et ils ont introduire quelques items sur discipline.
Bon, moi, pas pour discuter ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les prix M, ce qui est en jeu pour faire. Et bien, le 18, moi, je crois que je vais couvrir pour connaître qui va l'amendement peut apporter. Mais nous, nous invitons le conseil et l'autorité, à tout le général y compris, considère amende le mail act pour donner plus de, moi, peut-être, les dents. Hein? Les dents, donc, qu'ils ont fait, de tirer in order to give more discipline to your own members. The object of the act, c'est quoi? To defend, protect and promote the interest of the bar. C'est ça son rôle principal, l'objectif principal de Bar Association Act. To defend, promote and safeguard the interest of the bar. Et pour safeguard the interest of the bar, on vous a fait lire d'une façon qui est dans sa l'autorité pour mettre représentation de la banque. Oh, donc, en deux mots, nous pouvons dire qui le need in a relayer pour moderniser le Bar Association Act de 1957, améliorer les faits les réfléchir en 2018, qu'il y a à peu près 1000 avocats au barreau, donne un peu plus de punch pour être capable de plus fonctionner de façon plus vigoureusement. Et nous, ensemble, parce que nous tous ici, qui va, nous tous, nous, Bar Council, Bar Association, pardon, le fait qu'il nous donne Bar Association et le Middle Temple dépend des façades avec le avec Bar Association. Au contraire, nous-mêmes nous soutient et nous collaborer quand et les bisins et quand bisins. Alors, mon Pierre Rétlem, le Bar Association, nous peut venir un volet très important qui beaucoup de monde hésitait pour causer et parce qu'il vient d'affaires délicates et du monde content, peut-être passe le là, c'est mon peu cause le barreau. Et le bien-être du barreau. Bon, elle avait qui dit bon comprend. Hein? Bon, n'est pas spécifiquement pour le barreau. Beaucoup de professions, tout le monde qui peut travailler, qu'il y ait un ingénieur, qu'il y ait un accountant, qu'il y ait un docteur, tout un élément de stress au travail. Y compris juge, y compris magistrat, y compris parquet, y compris peut-être ben civil servant, tout un élément de stress au travail. Mais tout le monde qui est dans stress au travail, il est besoin de rendre une ambiance de travail qui fait bon vivre. Au doc, pas moi qui travaille dans les médias. Si le matin vous connaissez où il y a un chef qui n'est pas pour mettre tout à l'aise, il commence à faire un commentaire qui est désagréable. Pour tout ça, pas n'est pas une fun et il est pour une pénible pour le travail. Alors nous, le barreau, les médias, qui, bon, il y a beaucoup de membres du barreau. Bon, on peut faire exclusion, ça va être poignée qui est cité dans la commission de la drogue là, hein, parce qu'ils ont aussi, on peut faire dire, et nous connaître là, ils ont aussi, c'est la preuve du contraire, ils ont couvert par une présomption d'innocence. Et c'est pourquoi on peut faire un appel à travers la presse, qui sont 4-5 qui me demandent judicial review, les autres pas me demandent judicial review pour faire l'enquête, mais moi, je peux demander un restrain, une réserve, pas faire ça, peut-être un commentaire pour dire, qui est tout barreau, la même paillet, tout du monde dans sa paquet, comment dire, inverted commas, mischievous, curious. Hein? Philippe Paye est dans sa concept dans le public. Et surtout, nous devons faire la différence. On ne peut pas dire que la brevée galère, dans toute profession, dans la police, là. Dans partout, et dans, mais par ce fait, jusqu'à ce qu'ils soient proved guilty of any misconduct, vous pensez qu'il est juste et raisonnable que nous ne fassions pas l'attaque sans fondement. Comment vous pouvez dire ça? C'est que le barreau, junior bar, right? si je prends la liste avocat, dernier 10 ans, il y a au moins 500 plus avocats qui rentrent. Dernier 10 ans, c'est un monde qui est en grande compétition pour capable gagner de survie. Dernier 10 ans, un avocat qui peut lutter et qu'ils ont besoin d'une bonne ambiance de travail. Bon, et quand on peut dire l'ambiance de travail, moi, j'ai un avocat qui a une dépression. Moi, j'ai un avocat qui a une anxiété, qui a une panique attaque. Moi, j'ai un avocat qui est beaucoup intéressé à travailler au barreau pour telle raison. Oh, donc, nous, ce qu'il nous peut dire, en fait, mental health, le fait de célébrer International Mental Health Day, nous parler qui nous membres du barreau subir un certain sort qu'ils n'ont pas trouvé agréable pour paraître dans la cour.
Et ça amène moi avec quelque chose qui est délicat que tu fais dire, c'est que dans le monde entier, et mon frère recherche pour dire, on fait trouver qu'il arrive en Amérique. Brett Kavanaugh juge, je ne passe pas un pain fin, c'est ce qu'il a 32 ans de cela. Il tient une complainte contre lui et je vais faire public scrutiny, faire l'enquête, ce que le Sénat fait clairement, là je nomme comme juge. Et donc, moi, ma proposition, première proposition qu'il me fait concrètement, c'est qu'il arrive l'air, qu'il n'y a plus de transparence dans la nomination, sélection et éligibilité de ban. Moi, je suis judicial office holders, y compris magistrats, y compris. Un tribunal qui maintenant qui existait dans sous la loi et qu'on nous manque juge le NKH général the judicial office holders tout le monde qui dans sa catégorie là nous besoin connaît avec raison qui s'en là qui nommé tout d'abord les magistrats des magistrats des juges qui nommés là right? Le barreau dans son ensemble pour dire où un d'abord je tout connais qui sont intermédiaires c'est un homme plaisant serein souriant. Faire plaisir pour parler devant lui, pour travailler devant lui. C'est pour dire qu'il est positif, nous connaît, qui s'en a. Mais si ça même juge. Bon, laisse-moi faire une parenthèse pour dire bonnes affaires. Juge est un travail difficile à faire. Juge est overloaded. Juge est dans une propre responsabilité et qui me garde dire qui parfois fait un bon commentaire. Accidentellement, je ne suis pas peur de méchant. Mais parce qu'il y a une pression aux autres, je suis un humain. Il faut bear in mind, juge humain. Et quand le juge fait erreur, nous pouvons dire qu'il y a l'appel qui met cette things right. Right? Nous pouvons erreur le jugement. Il y a trois questions qui peuvent faire la différence. Judicial decision, nous ne pas toucher, quand on n'est pas content, on l'appel. On va faire judicial review si vous voulez. Nous pouvons case management. Ça aussi n'est pas pour toucher, parce qu'il est dans sa qu'elle se approche. Elle a une 9h30, vous êtes là, elle a une 9h30 qui est encore dans ce et qui se dans la case. Je ne sais pas, semble plaisant. Il dit comme ça. Elle peut rentrer 10h ou pendant quelle discipline. Et donc, nous ne pouvons dire, on ne peut pas faire tous, ni judicial decision côté de l'appel, ni case management. On peut faire judicial conduct. Right? Et longtemps, il y a un sujet tabou. Tabou dans quel sens, c'est qu'il dit, chut, je ne sais pas poser, Non, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, beaucoup de nous ont des papiers quand vous trouvez un jugement. Australie, New Zealand, partout, Singapour, côté tout film, n'est-ce de trouver qui n'a pas une grande quantité de juges. Hein. En Angleterre, il y a 26 000 juges, magistrats et juges confondus. 75 là-dedans, au bout de nous, un papier pour trouver là, il y a une instance qui juge autres, vous êtes conduite et fin des autres à la porte. Right? Ici, un juge, ce tempérament, ce caractère, ils font un, c'est pourquoi moi, il y a besoin d'une formation lui aussi. Right? Sa sélection-là, un juge, il y a besoin de sa formation, un training. Il y a tout un training, un avocat, un CPD comme. Continuous professional development, qui fait, c'est parce qu'il nous a resté à jour. Mais juge aussi, et comme on est pour ça, il n'y a pas besoin de différent, il y a besoin de gagner ce training. Et moi, mon pécose, même la nomination, là même, c'est au départ, quand on est en Angleterre, on a trois critères. Un, sur compétences, sur skills, sur capacité. Deuxième, sur good character. Right? Mon prophète, j'ai oublié, il y a quelque chose qui appelle. Une instance qui s'appelle Judicial Appointment Commission. Et là-bas, qu'ils ont fait, quand ils ont des critères là, puis c'est le troisième critère qu'ils ont fait, ils ont fait show, qui est la diversité dans la nomination. Right? Bon. Dans le cas de diversité, nous avons un petit peu de gender diversity aussi. Bref, ce qui, sa commission-là, choisir les transparents. Et là-bas, sur composition différente, il y a l'autre chancellor, ici, nous avons l'autre chancellor. Mais nous sommes incapables. Donc, si j'amène une nomination pour faire, moi, mon père invite les autorités à faire un amendement de façon qu'ils nous introduisent un représentant au bar council.
un représentant de Law Society, un ou deux experience au senior council qui est capable de siéger ensemble avec majoritairement juge, bien sûr, je sais comment il était maintenant, c'est juge, c'est une judge, etc., qui est capable de gagner sa diversité d'opinion, comment avant nommer quelqu'un. Donc, nous avons plus de transparence et le judiciaire aussi dit accountable. Right? C'est très important pour connaître qu'il est accountable. Et comment il est accountable? Parce qu'il se conduit. Bon, laisse-moi dire une affaire. Ça est arrivé en Angleterre et ça est arrivé au souci. Et la bande de fille avocate sorti de la coupe et pleurer. Je me donne un exemple concret. Et la bande de fille avocate qui se dégoûté, je ne sais pas qui m'a dit ça, qui juge ça pour mon cas, décider pareil, pas pareil. Mais il y a un mauvais signal. On ne peut pas supposer choisir ou quelqu'un qui est bon, qui n'est pas bon. Ou donc, il y a un avocat qui a bien loin, il ne craint lui-même, les bad judges of the 21st century. Il y a une déchaînée, moi, pas bien déchaînée, moi, pour cause un équilibre. Il y a comme ça qui. Et à la moment donné, nous sommes Graham Williams QC. Oui, et mon père m'a copié. Il a écrit le Short Book of Bad Judges. Right? Et bon, nous ne pouvons pas faire procès bad judges pour dire qu'ils sont humains. Et ils ont besoin de check and balances. Et comment on peut faire check and balances? C'est que quand on peut. Ils ont pour connaître qu'ils s'y disent, mais on fait rude. Mon humilié, mon insulté, mon fait une action qui mon a senti absolument humilié. Mais tout ça, ben, chose qui n'est pas mérité ou mérité, mais c'est pas la place. Parce qu'il laisse tout être la loi Employment Rights Act. Du moment où il y a harassment at work. Quand il est avocat, il peut dire qui vous remet. Harassment at work. Victimisation, on a fait une complainte contre lui et il trapeau, il a dit qu'il ne peut écrire, il peut demander target you, victimise you, antagonise you. Il dit dans le coin, il était comment pour faire, coupe promotion, coupe pour les CV. Mais tout ça, on a fait là, protégé par la loi. Et donc, on n'a pas aucune raison. Qui raison? Au contraire, il a son avantage parce que, laisse-nous faire un autre point bien clair. C'est une minorité, une très infime minorité, qui rendent à son encadre judicial conduct, qui se caractère, qui mood, swing, etc. Le fait qui, comment dire, il rend la vie d'un avocat junior or specially amer. Alors, ça en Angleterre, alors là, on peut proposer le concret. Judicial, il existe en Angleterre, on appelle le Judicial Conduct Investigation Office. Right? Il y a une instance qui existait en Angleterre qui crée que pour analyse une complainte officielle qui vient. Bien sûr, pas tout qui prend ensuite. Et bon, laissez-nous nous réaliser une affaire qui, quand une commission fait sanctionner un juge, ce n'est pas évident, ou un public scandal, tout le monde peut causer. Première affaire, ce hearing pour private, ce verdict jamais pour publier, et ce sanction pour prendre dans la discrétion. De façon qui ben juge connaît qui quand on fait ben en dehors et vous répétez lui en minorité j'étais et qui vous êtes pas pour capable bon vous dire un autre point qui fait qui nous assiste aussi il y a beaucoup de monde qui pas venir représenter à nous présenter dépendant moi n'importe quel avocat quand ils viennent devant certaines du monde certaines minoritairement ils trouvent une position moi on attend quelque chose comme ça et on a fermé la bouche. Et il n'y a pas d'avocat, moyen et au papier donner l'occasion pour exprimer. Peut-être qu'il y a overloaded, pas qu'on est, mais sa qualité d'attitude là. Si en Angleterre, il y a une bonne action et sanction pour prendre contre les gens, c'est pourquoi qu'il m'a dit que nous, nous avons arrivé à un stage qui nous a créé sa judicial comme conduct investigation office, qui raison pour qu'il donne un droit avec tout le monde. Bon. Et dans certaines choses qui rétablissent, mon cas, j'ai dit, je suis tellement, comment dire, terrorisé, le mot terrorisé, le barreau, qu'aujourd'hui, personne ne parle de l'école.
pour la bonne impression, bon, c'est le nombre. Il fait que d'ailleurs, il y a un nom bien sûr, un nom bien gonflant, il parle des amis personnels, mais sa qualité du monde là, il ne sait pas comment il réussit à rentrer. Il est quand même très bon juge en termes d'écriture, en termes de jugement, decision making. Mais si on peut une approche humaine, si on peut une conduite humaine, et on ne peut pas dans le cadre de du monde civilisé, et bon, nous avons qui tout le temps qu'il y a un tout le monde, le chef juge, avec raison, il dit avocat, vous êtes poli, vous êtes courtois, vous êtes respectueux. Mais il n'est pas one-sided ça. Bien sûr, nous respectueux. Des amis dans mon carrière, comme avocat, signé à Council ou n'importe quoi, jamais mon manque un mot. Et d'ailleurs, quand je dis aux affaires, voilà que le problème là était 90% parce que je tenais une complainte pour faire. Je pas... Mais moi, je me pose la question, mais qui ne va pas écrire par Council? Qui ne va pas écrire ses juges? Et les autres réponses, c'est toujours pareil. Alors, je demande une affaire. Tous les jours, vous pouvez paraître devant un boss ou tous les jours, vous pouvez parler devant un boss. Est-ce que vous avez le courage d'apporter vous? Il dit aux avocats avec raison, il dit tous les jours, vous vous présentez devant lui. Il finit en tant qu'antagoniste. Et peut-être que je passe plus pour plus gros mortier dans son armée. Donc, il n'y a pas aucune instance de petit à petit. Causer, il vient talk at the bar. Tout avocat connaît causer, mais jamais le gouvernement officiel. C'est pourquoi mon pas blâme Council s'il y a un cas, il peut agir. Mon pas blâme Serge aussi, s'il y a un cas concret, il peut agir. Mais il y a aussi agir pour dire que ça se moude, pas qu'il n'y a pas d'un an, qui appelle conduct. Judicial conduct, ça se problème. Et c'est pourquoi qui m'opère revenir là, sa instance qui est dans le monde entier, nous demander dans le l'air, qui nous gagne sa Judicial Conduct Investigation Office pour être capable de mettre à bien le ben quelques-uns, exceptionnellement, une infime minorité, pour mettre l'emphase, qui est dans la conduite, qui parfois pas fait honneur. Bon, une affaire qui est importante. Pour une dimension, gagne respect, you must earn it. On est capable de gagner ce respect-là par vertu, par conduite. Right? Et fait des pas qui, quand il crée ça, tout le monde commence à créer contre le juge aussi, de façon que tout le monde n'a pas la foi dans la justice, confiance dans la justice. Ça, c'est un élément de trust. Et nous, tout le temps, nous dire que le dernier rapport, quand on tape toute la porte est fermée, le dernier rapport, c'est quoi? Judiciaire. On tape la porte judiciaire, on dit là-bas, à l'église pour faire justice. Nous pouvons dire, le fondement de la justice, pour être juste, c'est toute ce fondation la même. C'est ce humanisme dans lui. Applique la loi. Bon, peut-être m'enchaîner pour dire une petite chose qui me trouve regrettable. Qui est très souvent, je ne vais pas les citer, mais en gros, l'exécutif prend plaisir pour dire ben, juste trop soft dans sentencing. C'est un wrong approach. Soit, ou amende la loi ou fait une mandatory, qui n'est pas pour l'autre choix, soit il y a un juge et il gagne le droit d'exercer sa discrétion. Sa discrétion, je dis qu'il gagne le droit dans les circonstances. Prendre la circonstance atténuante, c'est quoi l'avocat aller plaider, donner son temps ce qui est approprié. Hein? Ou donc, appropriately, si pas qu'il ne fait pas appeler une sentence, si pas satisfait trop soir, pas qu'il n'a pas fait. Mais il n'est pas dans l'intérêt exécutif, en vertu de separation of powers, pour que l'exécutif critique le judiciaire. Deuxième question, moi, tu peux demander, si aujourd'hui est dans Privy Council, right? Tout le monde dit que vous avez un Privy Council, yes. Mais moi, mon premier pour dire, et mon bien sacré, moi, j'ai dit comme ça, Privy Council est fait pour les gens riches, pour la ligne. Les gens pauvres ne sont pas capables de mettre les pieds là-bas. Et si vous n'êtes pas capable de mettre les pieds là-bas, vous avez accessibilité sur la justice. Vous avez un légalé pour le Privy Council? Non. 90% non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, où il y a un dernier recours, ou croit une victime de l'injustice dans le cas, ou pas capable d'aller là-bas, ou finit avec ce jugement-là, qui, d'après vous, mauvais endroit. Combien de jugements ont renversé dans le premier council? Combien de retards basants ont tiré dans le premier council contre une conduite, une jugement? Oui. Donc, quand il y a une question, ça se met devant vous. Mais ce n'est pas mon objectif. Je veux faire comprendre très clairement qui. Makaïfi propose lui, high time pour mettre un high court of appeal à Maurice
constitué de combien de juges et chefs-juges qui retaillent Maurice. Tout est la compétence, tout est l'intelligence, tout capable de contribuer et tout type happy to help. Mais nous ne pouvons pas servir ça. Donc, nous pouvons insister que nous implémentons pour mettre ça High Court of Appeal, pour donner ça pont entre prédicants de l'Angleterre qui est inaccessible, unaffordable, expensive et localement, un monde capable de faire la justice heard. Bon, moi, pas parce que ça vous dit, c'est pas que ça fait moi. Whatever has happened, je suis sorti, 19 ans, je suis sanctionné. Mais si il y a une miscarriage of justice quelque part, je pense qu'il pourrait tout le temps une miscarriage of justice. Oh non, le rôle des avocats, c'est un maillon important pour une démocratie, pour rule of law, et le rôle des juges pour appliquer la loi, ils ont besoin de faire ça dans la sérénité, dans le respect de tout. Les avocats ont un devoir de respect de courtoisie envers le barreau, envers le bench. Le bench aussi a un devoir de l'écouter et puis ou écrire. Et si vous n'êtes pas trop content sur certaines petites choses, vous pouvez mettre vider quelques classiques dans plume. Ou qu'à critiquer en écrit, mais non pas qui publiquement ou ainsi de dit. Alors, nous pouvons faire une croisade, le mot est parfois, contre une minorité of rude, offensive, humiliating, and, inverted commas, bad mannered judges, whom, en Angleterre, the bad judges. Je peux terminer là, je peux distribuer trois petites choses, juste pour alimenter pour ce que je peux dire, qui est rien de nouveau. C'est bad judges of the 21st century and conduct of judges who judge. C'est une question qui est intéressante. Rude judges bully lawyers in England. Télégraphe, quel est-ce que je donne pas à copier. Je ne parle pas de copy-paste, mais pour gagner l'idée du thème de la conférence, de cette conférence de presse. Et puis, il y a un autre quelque part qui dit who judge judges. Qui est-ce qui juge juge. Quand juge, en créole, on appelle les. Oui, ça aussi pas de bêtise. Pour dire que ce que vous pouvez proposer, ce n'est pas tombe du ciel, ce n'est pas méchant, c'est simplement pour mettre le pour update and upgrade. Pour terminer, si vous avez quelques questions, vous êtes capable de répondre. Par rapport à ça, la loi de 1957, une bière. Vous demandez ça partie il y a trois petites choses là-dedans. Il y a la composition qui nous dit underrepresented. Nous disons 5 en 1957, 5 members of the elected. Aujourd'hui, c'est le numéro 2018, il y en a un peu plus de 1000. Augmente-les. Deuxième, donne-les plus de moyens de mettre discipline dans les membres. Bon, on entendait récemment, moi, vous avez entendu rien. Mohamed versus avait Duval. Mohamed versus whatever. You know, il peut aller comme ça, gauche-droite, ben, tout le monde. Si vous faites, pourquoi vous êtes dans un secteur, il y a le public domaine, ça. Ben, issues comme ça, tu peux finir réglementer de façon discipline. Right? Et moi, pour le prédjudge qui se trouve dans la cour, c'est pas qu'un du monde prend un rapport à l'ensemble, mettre dans le spin, c'est pas qu'il y a l'offense, pas l'offense, on ne pas connaître. Laisse la cour décider. Alors, deuxième, c'est un mot de powers, more powers to the bar council. Et troisième, bon moyen pour donner protection aux avocats qui méritaient. Vous n'avez pas gagné ça dans le terrorisme, ça trauma, ce qui nous peut raconter là. Ok? Et moi, si je dis qui me pourrait un email, je peux demander, viens de l'avant, viens raconter dans l'anonymat qui misait à passé à la main de un ou deux. X, Y, judicial officers, on a tonne qui vous descendent. Right? Mais personne n'a pas le courage pour le dénoncer avec les autres mondiaux, chacun perd sa position avec raison.